fait presque à l'heure. Comme il y a beaucoup d'Italiens ici, le fait d'être presque à l'heure, c'est énorme. C'est un truc incroyable. Eh bien, peut-être les Génois, c'est ce qu'on croit, nous. On est radin pour les Génois, ça c'est sûr. Après, on est siamo un po' più orci e forse siamo più puntuali di altri, insomma. Forse non per pagare. Bene. Adesso ricominciamo con le canzoni. Purtroppo anche io parteciperò. On va ricominciare avec les chansons. E malheureusement, moi aussi, j'essaie obligé di partecipare. Donc je pense qu'on va plus se revoir après. Moi j'aurai honte. Mais bon. Donc on va recommencer avec les chansons. Et après on aura le maire de l'arrondissement de Gênes où les ponts s'est trouvé, Federico Romeo, qui va nous raconter l'histoire de ces jours-là, quand les ponts s'est trouvé, parce que lui il y était. On va raconter en italien et en français. On va traduire aussi de manière que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc prenez vos places, prenez vos verres. Et voilà, Jeanne et Marielle. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, je me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique. Oh, dit le psychanalyste, que c'est triste, que c'est triste. Je vous dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Le docteur, on sera plus bien. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe. Vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain, c'est divin, c'est divin. Je fais partie de l'élite, ça va vite, ça va vite. Et je me donne avec joie, tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante, en serrant très fort la main du voisin, du voisin. Me sachant original, je cavale, je cavale. J'assume ma libido, je le drague et en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène. Et je connais la détresse, et le cabaret, le stress. Enfin à l'écologie, je me méfie, et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. M'obsède jour et nuit. Cette heure n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette heure me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Je revois la ville en fête et en délire.
canon sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Quand soudain parmi ces gens qui me bousculent, étourdis, désemparés, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Soulever nos deux corps sans lasse et sans lasse, et retombe tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entrés par la poule qui s'élance et qui lance une folle farandole, nos deux mains restent serrées. Et parfois soulever nos deux corps sans lasse et sans robe, et retombe tous deux épanouis, enivrés et heureux. Alors on fait une chanson que tout le monde connaît, donc on compte sur vous pour chanter avec nous. Chantez, hein. D'accord. Merci. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour à vous. Ne vous nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour à vous. D'être vécu sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. De chanter en m'accompagnant au piano, mais presque on pourrait croire que je l'ai écrite pour cette soirée. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ah là là, tant d'italien, je vais perdre la tête. Alors, on y va. J'ai bu un petit peu de vin blanc, ça va être un peu confus les accords, mais je sais que vous êtes avec moi.
Quand tu me parles italien, je ne pense plus à rien. Je me déhanche, je me délie en écoutant tes mélodies. Tu peux me dire que tu ne m'aimes plus, que mes petits seins ne te plaisent plus, que t'es amoureux de ta maman, que Stefano est ton amant. Tu peux me traiter de tous les noms en italien, c'est trop mignon. Tu peux me faire vivre un enfer du moment que tu roules les airs. Tu peux m'insulter, m'embrasser, être un affreux, un idiot. J'aime tant quand tu fais onduler ce singulier vibrato. Tu peux me dire n'importe quoi, moi je me fais mon cinéma. Plus tu as le regard ravachi, plus je vois Mastroianni. Yes! Et là je vous ai chopé, hein. C'est vraiment mon public idéal. Quand tu me parles italien, je vois les lasagnes arriver, les fruits de mer, l'ail et le vin, les linguines à la vongolée. Tu peux me réciter le bottin, me parler du foot, c'est divin. Ta voix et tes doux trémolos me font grimper au rideau. Tu peux me dire n'importe quoi, moi je me fais mon ciné. Je sais plus où j'en suis, mon cinéma. Plus tu as le regard ravachi, plus je vois Mastroianni. Bravo, bravo, bravissima. Il y en a pas mal des gars comme toi qui... Il y en a pas mal des gars comme toi qui ont le regard abâchi, qui prennent des pauses sur le sofa, fatigués d'avoir réfléchi. J'ai beau être une femme à homme, n'être tapé toute Italie, je me retrouve comme une conne devant mon plat de spaghetti. Erreur fatale que de rester avec un seul homme toute sa vie. Même sexy, même dominé, c'est la mort, c'est l'ennui. J'ai besoin de changer de tableau, changer de peintre et de pinceau, de boire du Sprite, du Prosecco, allez, bye bye, ciao. Tu peux me dire n'importe quoi, moi j'aime faire mon cinéma. Plus tu as le regard ravachi, moins je vois Mastroianni. Qu'on a une surprise, mais là il est très angoissé parce qu'il va devoir participer. Mais moi j'ai confiance en lui, moi j'ai confiance. Et j'ai tort, mais ça c'est mon problème, Maurizio. Donc, une autre chanson qui, pour moi, voilà, qui pour imaginer un petit voyage en Italie, un petit voyage romantique qui tourne un petit peu mal parce que j'ai une personnalité un petit peu spéciale. Donc, j'ai demandé à Maurizio de faire une petite traduction, pas littérale, mais un personnel de cette chanson qui s'appelle La chieuse des vacances. Bye Maurizio! Voilà, ça y est, ça y est! Bon, reste là. Alors, comme t'as pas de micro, il va falloir que tu déclames, tu vois, comme des gens. Tu vas faire l'acteur. Alors attends, c'est moi d'abord. Calme, calme. On se calme tous les deux. On respire, on fait de la méditation. Un avion c'est lourd, je sais pas comment ça vole, moi je suis pas pour, je préfère rester au sol, j'aime pas les secousses, je suis malade en voiture, j'ai un matelas de mousse pour éviter les courbatures. Let's go. Io sono la rompiballe delle vacanze, quella che guasta tutte le circostanze, la specialista del malumore, con me i minuti sembrano ore. Al ristorante non mangio niente, niente mi piace e ho male a un dente. No, non ho voglia di andare al mare, fa troppo caldo, non so nuotare. Viaggio in aereo, troppa paura, non me la sento, sarà una sciagura. Je suis la chieuse des vacances, celle qui se plaint de tout, celle qui dit que l'ambiance. Je suis la chieuse des vacances, j'ai beau faire des efforts, je suis chiante avec constance. Vous en connaissez, non? On en connaît tous une. J'ai peur des requins et l'eau est trop froide, je préfère mes bouquins à vos jérémiades. Je bois pas d'alcool, j'ai horreur du sexe, tes enfants, hein, tes enfants me stressent. Attends, c'est à moi, Maurizio. J'ai couché hier avec ton mari, ce pauvre Jean-Pierre n'a qu'un tout petit zizi. Je sais pas comment tu supportes ça. C'est vrai qu'il a de l'argent, mais ça ne compense pas. Yes, go, darling.
Io sono la rompiballe delle vacanze, quella che guasta tutte le circostanze, la specialista del malumore. Con me i minuti sembrano ore, se c'è la fila mi sento male, devo sedermi o litigare. Anche in albergo ho da ridire, troppo rumore, non posso dormire. La sera al mare vuoi far l'amore? Io un dolorino, sarà un malore. Je suis la chieuse des vacances, celle qui se plaint de tout, celle qui nique l'ambiance. Je suis la chieuse des vacances, j'ai beau faire des efforts, je suis chiante avec constance. Ton fils est pédé, ma pauvre chérie, toi qui adore les bébés, tu ne seras jamais mamie. T'as pourtant la tronche un peu trop flippée, tu bois trop de punch, t'as pensé te faire lifter. Yes. Je sais tout coordonner. Io sono a rompiballe delle vacanze, quella che guasta tutte le circostanze. La specialista del malumore, con me i minuti sembrano ore. Io sulla neve sono una frana, se si va in baita la esigo vegana. E non la do neanche a morire, ho mal di testa, voglio dormire. In autostrada sbuffo e sentenzio, spegni la radio, voglio silenzio. E tu ensemble? Je suis la chieuse des vacances, celle qui se plaint de tout, celle qui nique l'ambiance. Je suis la chieuse des vacances, j'ai beau faire des efforts, je suis chiante avec constance. Grazie mille! Donc Jeanne Plante, j'ai un petit cap, mais surtout, mettez du pognon pour cette bonne cause. C'est maintenant. Ah non? Ah non, c'est fini là. Merci beaucoup. Bravo. J'avais dit au début qu'on avait avec nous deux personnes qui sont qui représentent la mairie de la zone de Gemme, disons d'arrondissement, et qui a été frappée, impactée par le mouvement du pont. S'il vous plaît. Qui s'appelle la Valpolicella. Hein. Gemme est une ville très longue, 25 km à peu près, 27 km, et il y a une partie, il y a une rivière qui s'appelle la Valpolicella, une partie très industrielle en fait, avec beaucoup d'activités. Il y avait ces beaux ponts, les ponts Morandi, qui a à peu près mon âge. Parce qu'il avait été, il n'a pas votre âge, par contre, il avait été construit en 1967, il est un peu plus jeune que moi, mais ça c'est pas grave, et qui s'est écroulé les 16 août. Donc on a ici Martina Caputo et Federico Romeo qui travaillent à la mairie de la Valpolicella, et Martina est conseillère de tout, enfin conseillère de tout, et elle conseille à tout, et Federico, présidente. C'est le président, je crois, le plus jeune d'arrondissement, disons, de l'histoire de la politique italienne. Et donc, Federico va peut-être nous raconter quelque chose sur cette journée du 16 août 2018, quand le pont s'est écroulé, et comme Martina et Federico ont vécu cette histoire. On va la raconter en italien, et moi je vais traduire dans quelque chose qui peut rassembler aux Français, à peu près. Tanto grazie Maurizio e grazie a tutti voi per la giornata di oggi e per il grande invito qui a Parigi per questa grande giornata di solidarietà, un po' il cuore insomma che collega Parigi, tutta la comunità italiana e parigina direttamente con la nostra Genova, quindi davvero un grazie col cuore a tutti voi. Donc oui, je pense que vous avez compris, et merci à tout le monde pour cette manifestation de solidarité, des solidarités qui lient en fait Paris, une capitale européenne, à une autre ville européenne qui est Gênes, qui lie France et Italie. Et je peux ajouter, toi tu ne l'as pas dit, mais j'ajoute, on sent quelque chose qui est l'Europe, non? Tout, nous sommes tous. Noi vi portiamo i saluti della Valpolcevera, della nostra municipalità, che ha vissuto un momento molto difficile
che quello con la caduta del ponte Morandi. Un ponte che ora vi racconterò in pochissimi minuti l'importanza di questo ponte proprio per Genova. Donc, ici on a disons les bonjours de la communauté de la Valpolcevera qui a été impacté par l'écroulement de ces ponts qui était très important en fait dans la vie quotidienne, dans l'économie de ces mondes. Et maintenant Federico va aussi nous expliquer pourquoi. Il ponte Morandi è il ponte di Genova, quel ponte che collega la parte ovest e la parte est della nostra città e il nord e il sud. Il nord e il sud sia di Genova, ma anche proprio con il collegamento per l'Italia, perché il porto di Genova è il luogo fondamentale, il luogo più importante, uno dei porti più importanti del Mediterraneo, dove le merci passano per andare oltre Appennino, e quindi il ponte Morandi è uno dei ponti ed è il ponte di collegamento strategico del nodo infrastrutturale della città di Genova. Quindi la caduta del ponte ha dato anche delle forti ripercussioni economiche sulla città e sul suo porto. Donc le pont Morandi, qui s'appelle comme ça, d'après le nom de l'architecte, hein, Morandi, qui est un important architecte du XXe siècle, était une infrastructure extrêmement importante, pas que pour l'économie de la zone, l'économie génoise, mais en général pour l'économie italienne, parce que c'était un point de connexion, disons, de nord à sud, et surtout un point de connexion pour les activités portuaires. Donc à partir de ces ponts, il partait des produits qui arrivaient après dans le reste d'Europe. Donc c'est une infrastructure particulièrement importante. Quel ponte ha rappresentato per la nostra città il cosiddetto periodo storico del boom economico. Nel dopoguerra la costruzione delle prime reti infrastrutturali e stradali, importante anche proprio per la logistica di collegamento della città, il suo porto con il nord-ovest d'Italia, il triangolo industriale Genova, Torino e Milano, ecco, quella fu una grande infrastruttura che venne inaugurata dall'allora Presidente della Repubblica, che proprio questo rappresentava anche dal punto di vista architettonico, ingegneristico e strutturale un grande orgoglio per Genova e per l'Italia, proprio per la sua ripresa economica dopo la fine, insomma, della Seconda Guerra Mondiale. Da qui, come dire, mi fermo qui sul tema invece della spiegazione del ponte, e quindi partirò invece da ora con quel 14 agosto. Donc on a cité la date de construction du pont qui était 1967. Cette date est importante parce que c'était le moment d'une grande croissance économique. Et une croissance économique en Europe et notamment en Italie. Donc ce pont était un peu un symbole de cette époque, un peu de cet âge d'or, non, qui a permis d'améliorer aussi les conditions de vie des personnes. La Valpolcevera, c'est une zone ouvrière, une zone populaire. Donc ce pont a aussi représenté, disons, la capacité d'un pays comme l'Italie, et aussi qui était sorti détruit de la Seconde Guerre mondiale, de se relever et d'aller vers des conditions économiques meilleures. C'est pour ça qu'avec le roman de ces ponts, c'est comme si une époque s'était terminée d'une certaine façon. Maintenant, on a un peu terminé l'introduction sur l'histoire du pont, et on passe par contre à la journée, le 16 août 2018. 14. Perché il 16 agosto è compleanno di mia moglie. E se è su, se è diverso di non farlo. Se j'ai fait cette erreur-là, ça va. Se j'ai fait dans l'autre sens, je suis mort. Allora, vi racconto il 14 agosto e quella giornata. Una giornata che ogni genovese ha vissuto, e soprattutto in tutti questi mesi possiamo dire che ognuno di noi, come dire, quel 14 agosto si ricordava e si ricorda in quel preciso istante, in quel preciso momento dove si trovava e cosa stava facendo. Quindi insomma questo consentirà ad ognuno di noi di portare proprio a sé anche la memoria proprio direttamente di quello che è accaduto. Io quel 14 agosto, lo raccontavo a Maurizio
ieri sera, e quando, anche quando era venuto a trovarmi proprio nella mia sede municipale, ero in municipio, nell'area tecnica municipale, ero al quarto piano del palazzo dove io lavoro, e mi stavo occupando sostanzialmente di una rivisitazione, insomma, di un progetto riqualificatorio nella mia zona. E da quell'istante io ero su in area tecnica con i miei geometri, e arriva la telefonata della mia segretaria sulla linea diretta dell'ufficio dicendo: il presidente deve scendere subito, è successa una tragedia. Io ovviamente mi recco subito correndo giù dalle scale dicendo: chissà cosa è accaduto, e appena arrivo in fondo alle scale la mia segretaria mi comunica in diretta che è accaduto il ponte Morandi. Io ovviamente come primo impatto non ci credevo. Poi ho visto la fotografia che alla mia segretaria ha inviato una sua amica, che era proprio sotto la strada, dalla strada proprio sotto il ponte, e da lì insomma ho capito l'entità di questa tragedia. Donc, tout le monde garde en sa mémoire ce qui était en train de faire ce jour-là. Et donc, ça va rester dans la mémoire de chacun. Et Federico, il était au travail, parce que vous ne pouvez pas vous être quoi, mais en Italie, on travaille aussi. il faut bien aider de temps en temps. Et il était en train de travailler au bureau technique avec des architectes autour d'un projet d'architecture. Et il y a son assistante qui appelle sur la ligne directe en disant: Monsieur le Président, il faut descendre parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le pont Morandi qui vient de s'écrouler. Et lui, il a dit: non, mais c'est pas possible, c'est une blague, c'est une histoire. Et après, il a regardé sur le portable, il a reçu une photo d'une personne qui était juste dessous le pont. Et il dit: non, c'est pas vrai, ça s'est vraiment passé, le pont vient de s'écrouler. In quell'istante, il primo pensiero è stato quello di chiamare il sindaco di Genova, che nel momento in cui io chiamai direttamente il sindaco ha saputo del crollo del ponte in diretta mentre era con me al telefono, perché appena parlai al sindaco: guarda sindaco, è caduto il ponte Morandi, non ho finito manco di terminare, come dire, la parola, che erano appena entrati nel suo ufficio i suoi collaboratori a comunicargli la cosa. Io da quel momento sono partito con un razzo con l'area tecnica municipale e la polizia municipale, e ci siamo recati direttamente sul luogo del crollo del ponte, che ora vi racconterò. E donc sa première réaction c'était d'appeler le maire de Gênes et pour lui dire: écoute, le pont il s'est crevé. Le maire de Gênes venait d'avoir la nouvelle, et après il a un peu repris, rassemblé l'équipe et sont partis pour aller dans la zone du pont avec la police et avec les bureaux techniques, l'équipe qui travaille avec toi sur les sujets techniques. Ovviamente da dove siamo noi al ponte, come diceva ora Martina, da sottolinearlo meglio, siamo molto vicini al ponte, quindi io dopo il crollo del Morandi, insomma dopo neanche 5-10 minuti, insomma il momento per organizzare le varie cose, eravamo già sotto il ponte. E quando sono arrivato lì ero in macchina con la polizia municipale, l'area tecnica, e quella giornata era una giornata dove pioveva, c'era tutta una nebbiolina, e questa nebbia non vedevi, insomma vedevi appena facevamo la strada, insomma vedevamo questo ponte, un ponte che non c'era più, quindi vedevi un vuoto davanti. Siamo arrivati sotto al ponte, non c'erano ancora i soccorsi. E siamo scesi dalle nostre macchine, abbiamo bloccato tutto il traffico perché nel frattempo le macchine ovviamente sulle strade del lungo fiume continuavano a venire, e da lì, dopo che ci siamo girati per bloccare le macchine e quindi distribuire il traffico, appena ci siamo rigirati e voltati verso invece il ponte, e lì l'adrenalina è molto alta, sei molto agitato, sentivamo dalle macerie che avevamo proprio sotto sul greto del fiume le persone gridare e chiedere aiuto. Ovviamente era un ammasso di macerie incredibile e tante macchine che erano capovolte e schiacciate l'una con l'altra.
Donc en fait, la mairie, l'arrondissement est assez près du pont, donc ils partent en voiture, ils arrivent, et c'était un journée de pluie, un journée de brouillard, c'est bizarre, pour le 14 août, une scène un peu d'enfer. Ils ont bloqué tout de suite la circulation autour du pont, et à un moment donné, là, il y a la poussée d'adrénaline hein, très forte, parce qu'ils regardent vers le pont, il y a les dégâts, et commencent à entendre des gens qui crient au secours. Sì, l'adrenalina era tanta e a pensare insomma a quel giorno che comunque nella mia vita me lo porterò sempre, perché quando ti giri pioveva, le persone comunque che gridavano aiuto, tu ti trovi lì sopra insomma impotente in quel momento e vedere tutte le macchine insomma che erano una scatola, come una scatoletta perché molto schiacciate. E i primi vigili del fuoco, i primi poliziotti che andarono nel torrente a soccorrere, noi da sopra riuscivamo a dargli la carica per alzare queste macchine che erano capovolte l'una sull'altra e ahimè, come dire, dentro a molte di queste autovetture le persone avevano perso la loro vita. E da quel momento parte tutta la rete dei soccorsi. I soccorsi prima di tutto per i feriti e per alcune persone che gridando come dire, aiuto consentivano di poter aiutavano i soccorritori a identificare direttamente il luogo in cui si trovavano. Mi dispiace se perdo un po' le parole, ma insomma sono ricordi che mi porto dentro. Molte volte anche poi andando avanti col tempo è difficile a ripeterle perché la tua memoria cerca insomma un po' di nasconderla. Donc la première chose c'était de décoincer les voitures, parce que les voitures étaient écrasées les unes sur les autres. Donc il y a une équipe de personnes qui s'est mobilisée pour ça, ils ont commencé à décoincer les voitures et là, une fois qu'ils décoincent les voitures, il y a les corps qui ressortent, les corps des gens qui étaient. Et certains corps étaient éclatés en fait. Et ils sortaient plutôt du liquide parce que ces corps avaient été complètement éclatés dans la chute. Et à partir de là, à partir de ces moments, il commence à y avoir les secours, avoir la mobilisation plus générale. Mais ces moments-là, avec les voitures décoincées, les corps qui sortent, c'est quelque chose que Federico ne pourra jamais oublier dans sa vie en fait, même si quelquefois il se rend compte qu'il est en train d'essayer d'oublier. Non parce que, una certa maniera di si preservare per la cosa. Da quel momento è partita tutta la rete dei soccorsi, ovviamente ci siamo subito resi conto che quella era una grande tragedia e la preoccupazione più grande era, come dire, poi il numero di persone coinvolte con il crollo del ponte stesso. Quindi la prima preoccupazione era capire se erano presenti dei pullman turistici, i pullman, e quindi lì anche l'innumerevole presenza di persone poteva ovviamente creare ulteriori ancora problemi rispetto ai diversi recuperi. E da lì è iniziata anche la grande rete di solidarietà, che poi anche Martina vi parlerà. Lì noi abbiamo iniziato, come dire, a dare assistenza a coloro che stavano facendo i soccorsi, perché ancora non c'era nulla di organizzato. Nulla di organizzato da parte della protezione civile, questa è arrivata subito dopo nelle ore che andavano ovviamente avanti e noi non ci rendevamo più conto dell'orologio, insomma del lancetto dell'orologio che andavano avanti in quel momento. Quindi mi ha chiamato tutti i supermercati della zona, ha prodotto e organizzato tutti i panini per i soccorritori e quant'altro, finché poi sono arrivate circa le 5 del pomeriggio e lì vi racconterò invece l'altra parte della storia. Allora, en fait, même devant la tragédie, on est obligé de garder une certaine rationalité. Donc, la première chose qu'ils ont commencé à regarder, c'était s'il y avait des bus. Parce que vous savez qu'il y a eu 43 victimes. Et c'est bon, il était très haut. Donc un bus, ça fait 50 personnes. Donc ça veut dire que s'il y avait eu des bus touristiques, par exemple, la tragédie aurait été beaucoup plus grande. Et donc il y a cette lucidité qui s'est mise en place, même dans un moment aussi émotionnel. Et après, ils ont dû organiser une phase de transition, parce que la protection civile les a alertés et s'organiser, mais il a fallu un petit moment. Donc ils ont
organiser une espèce de phase de transition entre l'intervention de la protection civile et les premiers secours. Et ce que Federico disait, c'est qu'ils ont perdu complètement tout repère par rapport à eux. Ils ne savaient plus, c'était le jour, la nuit, et c'était ça, non? Ouais, une autre dimension, en fait. Et pardon, je n'ai pas cité. Après, il y a Martina, justement, qui va nous dire quelque chose sur les réseaux de solidarité qui s'est attivé. Da quel momento l'altro pensiero era per gli sfollati, perché a me a un certo punto la protezione civile mi viene a comunicare che molte persone erano state evacuate ovviamente dalle loro case. Io mi ero accorto fin da subito che il crollo del ponte non aveva toccato nessun edificio residenziale e quindi ero abbastanza insomma tranquillo da quel punto di vista ed ero più concentrato sul tema ovviamente dei soccorsi nell'alveo del Polcevera. Poi invece arriva la protezione civile e mi dice: Presidente, ci sono gli sfollati che sono da questa mattina che sono usciti dalle loro case. Allora a quel punto io con gli altri ci rechiamo nell'altra area a fianco al ponte, la così si chiama questa via Campi, e girando l'angolo su via Campi mi sono trovato insomma davanti a me tutta importante numero di persone, parliamo all'incirca di un 300 persone toccate e sfollate nelle prime ore dalla caduta del ponte, che erano da quella mattina in piedi senza con quello che avevano in casa, quindi vestiti come erano in casa, erano usciti fuori ed erano lì che aspettavano che qualcuno desse una mano e soprattutto organizzasse insomma anche un minimo di presidio per queste persone storiche. Una delle prime cose che Federico ha guardato è se si aveva dei bâtiments che avevano impatti per la chute del ponte. E ha visto che non c'era. Quindi pensava che fallait se concentrare piuttosto sulle secours. E après, il ha realizzato che il y avait quand même des personnes qui étaient sortis de leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, même si les bâtiments n'avaient pas été impactés, mais c'était carrément dans la zone du pont. Et donc il y avait 300 personnes qui étaient sorties le matin et qui étaient là le soir dans la rue et sans savoir quoi faire en fait. Et donc ils ont commencé une phase 2, disons, pour aider ces personnes-là qui ne pouvaient plus rentrer chez eux. À quel moment, arrivo lì, mi trovo tutte queste persone davanti, che ovviamente mi chiamano presidente, aiutaci. E alcune immagini di quei momenti che mi porterò per sempre, quella di una bambina che era in braccio alla sua mamma e alla sua mamma davanti a me gli dice: mamma, ma stiamo per morire anche noi? E io, questa bambina abbraccia la sua mamma forte, la mamma mi guarda, lì ovviamente la commozione aumenta e poi a questa bambina accarezziamo insieme e gli diciamo: stai tranquilla che ora vedrai che mettiamo a posto tutto. E da quel momento abbiamo iniziato ovviamente a prendere tutti i nomi e cognomi delle persone sfollate, quindi li abbiamo registrati. I Vigili del Fuoco hanno aperto la prima stazione dei Vigili del Fuoco dove prendevano tutti i dati e da lì è iniziata poi nelle ore successive dalla mezzanotte tirai giù dal letto il presidente della società operaia cattolica, ora te, il presidente della società operaia cattolica di Certosa, e insieme a tutte le realtà, all'ANPI, ai comitati di quartiere, abbiamo messo in piedi questa grande rete di solidarietà che ora io vi anticiperò e poi Martina andrà a completare. E in fait, il y avait beaucoup de monde qui demandait de l'aide. E donc, il voyait Federico, qui est très connu dans la zone, en disant: aidez-nous. Et il y avait une dame qui avait sa petite fille dans les bras. Et cette petite fille regarde sa mère et dit: maman, mais on va bientôt mourir, c'est ça? Et donc Federico qui dit: non, tranquille, on va s'occuper de tout. Et donc à partir de là, il y a eu aussi un réseau qui s'est activé, il y a le réseau public bien évidemment, mais aussi un réseau de solidarité, il y a une société ouvrière catholique qui s'appelle comme ça, il y en a aussi en France de cette tradition. Et une société par contre qui est l'AMPI, qui est l'Association Nationale des Partisans Italiens, qui se sont activés tout de suite pour aider. Et des autres associations, et ça, Martina va nous raconter tout ça. Et da quel momento, poi lascio la parola a Martina,
da quel momento noi abbiamo messo in piedi questo grande centro, questo luogo con delle tende, e da lì è iniziata la grande gara di solidarietà che ha visto un lavoro insieme tra i più anziani e i più giovani, e dove gli scout del quartiere insieme ai tanti ragazzi della nostra delegazione hanno dato una mano anche e soprattutto nelle settimane successive. Martina è stata una di quelle che ha dato un grande contributo nell'organizzare e nell'aiutare insieme anche ad altri nostri consiglieri municipali, alle grandi realtà che sul quartiere abbiamo, a procedere con questa solidarietà. E dunque Martina, elle a été vraiment un acteur clé de cette intervention de solidarité, hein, tout de suite après. Donc Martina va nous raconter un peu tout ça. Io vorrei presentarvi in realtà forse l'unico risvolto, uno dei risvolti positivi. So che è difficile da dire, però un risvolto positivo che è stata una delle conseguenze della caduta del ponte. Io ero in vacanza in quel periodo, sono arrivata il giorno dopo, direi. Quando sono arrivata lì, mi si è parato davanti effettivamente uno spettacolo strano, a cui ai tempi nostri non siamo tanto abituati. Dovete sapere che il ponte Morandi ha praticamente tranciato tutte le vie di accesso alla nostra vallata, fatta eccezione per l'autostrada, che comunque aveva qualche difficoltà, diciamo. E quindi effettivamente tutti i nostri quartieri si sono ritrovati, diciamo, dietro a un muro. Cioè effettivamente ci sentivamo un po' dietro a un muro. Okay. E quando siamo arrivati effettivamente potevano esserci due scenari, no? Il disastro, la disaggregazione completa, oppure una comunità che rinasce, no? Cose effettivamente a cui non siamo abituati in questi tempi. Invece, appunto, quello che ho visto è una comunità veramente attiva. C'erano gli scout, di cui faccio parte, quindi sono molto orgogliosa di questo, che si sono adoperati ad avere un punto di ristoro per chiunque avesse bisogno. C'era la vecchietta che non era interessata alla caduta del ponte, ma semplicemente soffriva di solitudine e ha vissuto con grande sconforto un ponte che ha visto anche costruire, che si sedeva nei gazebo e amava semplicemente chiacchierare con le persone che le stavano attorno. Persone che lasciavano le macchine e portavano in ospedale, piuttosto che andavano a fare la spesa, tutti gli sfollati che erano lì in zona. Quindi insomma c'è stato veramente una comunità, non si può definire in altro modo, ecco, che è stata forse la parte più bella che si poteva, che forse è un po' inaspettata, ecco, di tutta questa situazione. E voilà, donc Martina était en vacances, elle rentre tout de suite de vacances et se trouve devant ces paysages incroyables, et les quartiers, en fait, derrière les ponts étaient complètement isolés à ce moment-là. Et donc, il disait, même dans les choses négatives, on peut trouver des choses positives, non? Parce que dans cette situation extrêmement compliquée, il peut y avoir deux scénarios possibles. Donc une communauté complètement désespérée, qui se renferme en soi-même, ou bien une communauté qui arrive à s'organiser. Eh bien, il a trouvé la communauté qui était en train de s'organiser. Il y avait les scouts qui avaient préparé des points pour que les gens puissent boire, manger. Et il y avait même des vieilles dames qui commençaient à s'organiser pour donner un coup de main. Donc en fait, il y a une réaction très forte d'une communauté qui arrivait à s'auto-organiser aussi pour aider les autres. Questa comunità, diciamo, per così dire, che aveva questo centro proprio a ridosso del ponte, a ridosso della linea rossa, è proseguito per un po' di tempo, per un mesetto circa, direi, giusto? Anche un po' più di un mese, sì. E un progetto bello che è nato in quel periodo è stato un concerto, in realtà, un concerto Certosa, che è il quartiere del ponte. Non è un quartiere particolarmente vivo, la media d'età è abbastanza alta, quindi non ci sono eventi per giovani di solito.
io insieme a un'altra consigliera e dei ragazzi della zona abbiamo iniziato a contattare tramite qualche conoscenza qualche cantante rap che attualmente è gente famosa in Italia, che hanno tutti più o meno origini genovesi. Siamo riusciti, non so ancora bene come, a riuscire ad avere questi cantanti che sono venuti qui a Certosa ad ottobre, effettivamente sì, ad ottobre, e hanno fatto questo concerto gratuito, andando anche contro le case discografiche. C'è stata veramente una lotta per riuscire a farli partecipare, e abbiamo fatto questo mega concerto con 2000 ragazzi, cosa effettivamente mai vista nella nostra zona, e il ricavato è andato agli sfollati. Abbiamo fatto dei buoni acquisto spendibili nei negozi, nelle realtà commerciali della zona che erano in difficoltà, e è stata una delle esperienze che ogni amministratore deve fare tesoro, effettivamente, una comunità a cui tendere tendenzialmente. E dunque, dans cet esprit en fait de réaction de la communauté, il y a eu aussi cette initiative d'organiser un concert. Organiser un concert dans un quartier qui n'est pas hyper vivant les soirs et avec une moyenne d'âge un peu élevée. Mais ils se sont mobilisés pour organiser un concert de rap avec des chanteurs de rap plutôt célèbres qui se sont rendus disponibles de manière così bénévole. Et ils ont organisé un grand concert début octobre avec beaucoup de jeunes qui sont sortis. Et bien sûr, après, ils ont, grâce à ces concerts aussi, récolté des fonds qui ont été utilisés pour aider les gens. Mais c'est beau de réagir au malheur de cette manière. Concludo effettivamente con un altro aneddoto che mi ricordava Federico, che in quel periodo lì sotto il ponte è crollato su una parte dell'azienda che si occupa della raccolta rifiuti di Genova, per cui la nostra zona effettivamente è stata per un po' di tempo effettivamente senza un servizio di raccolta rifiuti. E un altro aneddoto molto bello effettivamente sono stati gli scout insieme ad altre realtà che si sono messe in moto per effettivamente pulire la città per la nostra delegazione per qualche giorno, ecco, ma non sono i singoli aneddoti. La cosa bella è stata veramente questa cooperazione tra varie realtà, tra il municipio, quindi il mondo diciamo politico che si tende a vedere sempre un po' lontano, con il cittadino semplice, il comitato e le realtà giovanili. Ecco, è stato proprio questo credo che sia quello che dobbiamo portarci a casa effettivamente da una vicenda che non si può che definire tragica. Donc le croulement de pont, pardon, avait détruit un bâtiment de la société qui s'occupe des déchets. Et donc pendant quelques jours, avant de réussir à s'organiser, en plus le quartier était coupé du reste du monde, il n'y avait plus personne qui récoltait les déchets, et les gens se sont organisés, les scouts des autres réalités, pour faire ça. Et pendant 3-4 jours, c'est ça, 3-4 jours, ils ont fait ça, dans l'attente que ça se réorganise. C'est voilà, une autre histoire de comment les communautés arrivent à réagir et s'organiser. Et maintenant, je voulais vous dire deux choses. Et avant de passer la parole, la première, c'était que vous voyez Martina et Federico qui ne veulent pas entendre ça, mais moi je vais le dire quand même, ils sont très jeunes. Et ils sont très jeunes, ils ont des responsabilités. Et Federico est maire d'un arrondissement et avec beaucoup de monde, avec, vous voyez, les responsabilités qui viennent de ce qui s'est passé. Martina a eu un rôle très important. C'est extrêmement important qu'il y ait de la place et des responsabilités pour les jeunes, et je suis très content, en fait, de voir quelqu'un qui... Parce que vous savez, après, la société française est un peu différente, mais en Italie, parfois, on est trop jeune pour faire quelque chose. Et après, on attend, on devient trop vieux pour faire quelque chose. Et on dit, ah, oups, il y a un truc qui m'a... Eh bien, non, on a un exemple contraire. Mais la deuxième chose, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Alors, aujourd'hui, la situation est questa.
sono iniziati i lavori di demolizione di questo ponte, lavori di demolizione che sono lunghi rispetto ai tempi che il commissario, che è la persona che si occupa di garantire, come dire, tutte le operazioni di demolizione e ricostruzione, ha dato. Quindi ad oggi una parte a ponente di questo ponte sta iniziando, come dire, ad essere demolita meccanicamente, quindi non con l'uso di esplosivo, quindi non tramite un'implosione, mentre la parte a levante di questo ponte è ancora tutta sostanzialmente in piedi. Su questo le difficoltà ci sono, perché tra la struttura commissariale e quindi, diciamo, il governo poi con la produzione del cosiddetto decreto Genova e la città e soprattutto i comitati e le realtà del nostro quartiere, insomma, c'è stato anche un forte scollamento nei diversi rapporti e questo ha creato anche delle complicazioni molto forti sui rapporti stessi tra quartiere e struttura commissariale. Allora, Federico, raccontò che il y a eu un commissaire qui a été nommé pour s'occuper de la reconstruction, mais avant de reconstruire, il faut détruire ce qui reste du pont. Et il y a une partie du pont, la part plus vers l'ouest, qui a été détruite avec un peu d'attention sur l'impact de l'environnement. Il y a une partie à l'est qui est un peu plus compliquée à détruire, il y a aussi des problématiques liées à des matériels qui peuvent polluer. C'est pas facile de redémarrer avec des choses comme ça, et ça crée aussi des tensions entre la partie du quartier et la partie, disons, la mairie de la ville qui a la responsabilité de la reconstruction, parce qu'il y a quelqu'un qui veut aller vite, mais des autres qui disent si on va vite on peut faire des bêtises, il y a peut-être de la pollution, des matériels qui peuvent ressortir. Donc c'est une opération pas simple, mais qui a démarré. On peut dire que le contrat est attribué pour la reconstruction. Il y a eu un appel d'offres, donc il y a eu un marché qui a été attribué pour la reconstruction. Alors, proprio per questo, riprendendo le parole di Maurizio, dirò che ambiente, salute, ricostruzione del ponte con la sua demolizione sono, come dire, tre fattori fondamentali che intrecciano tutta la questione. Prima di tutto il tema della demolizione, oggi, come dire, è già stato firmato da tempo il contratto con le imprese che si occuperanno della demolizione e della ricostruzione del ponte. Il ponte, a seguito della sua demolizione, sarà ricostruito e il progetto di questo ponte è il progetto messo in campo da Renzo Piano insieme alle realtà imprenditoriali di grandi aziende, insomma, italiane, che sono Fincantieri, Italferre e la Salini in Pregilo. Quindi loro hanno il compito, questa cordata di aziende, insieme ad altre aziende invece per la demolizione del ponte, hanno il compito di ricostruire il ponte di Genova. Vi dico anche che su questo progetto, come dire, a me questo progetto particolarmente non piace molto, avrei scelto il progetto di Calatrava, anche perché credo che la nostra città abbia bisogno, insomma, di un nuovo ponte, in tempi celeri sì, ma anche di un ponte che sia il simbolo della rinascita di un territorio, Genova, la Liguria, il nord-ovest italiano e l'Italia. E il ponte di Piano, come dire, su questo credo che sia distante rispetto a quello che invece Genova meritava fortemente. Questa è più una valutazione politica, ma che ci tengo a dare qui e a condividerla con voi. Donc il y a eu un appel d'offres, un marché qui a été attribué, un consortium d'entreprises, dont trois entreprises principales, donc la plus connue en France c'est Fincantieri, et quelqu'un connaît. Il y avait plusieurs projets possibles pour reconstruire les ponts, il y avait un projet qui plaisait beaucoup à Federico, mais ce n'est pas le projet en fait qui a été retenu. Le projet qui a été retenu a été signé par quelqu'un de prestigieux qui est Renzo Piano. Renzo Piano c'est l'architecte du Beaubourg à Paris. Et qui est génois et qui a donné ce projet à la ville. Mais malgré le prestige en fait de la personne qui a signé ce projet, Federico dit ce projet est d'une certaine façon trop simple et pratique, c'est juste un pont, alors que Federico pense qu'il fallait profiter de ça
pour faire quelque chose de plus, quelque chose de symbolique qui puisse aussi représenter un peu la Renaissance. De la même façon que les Ponte Morandi, avec cette structure très moderne, non, qui rappelait les ponts de Brooklyn aux États-Unis, était devenu un peu le symbole d'une Italie en croissance, non, une Italie qui s'est retrouvée et qui s'est modernisée. Donc c'est peut-être une occasion perdue un peu. Oggi quindi la ricostruzione del ponte, poi mi arrivo alla conclusione, oggi la ricostruzione del ponte è fondamentale e prioritaria per la nostra città, però deve essere fatta nel rispetto della salute e dell'ambiente e del rapporto che tutti questi cantieri, perché sarà il più grande cantiere che avremo nel centro di un pezzo importante della città, ci sarà, c'è già, e vive e deve convivere, come dire, con le case e soprattutto con le attività produttive circostanti. Attività produttive che hanno avuto e hanno ancora tuttora una grande difficoltà dal punto di vista economico, perché molte delle loro commesse, insomma, sono state perse, molte aziende e diverse altre sono chiuse e altre sono a rischio di chiusura, e lavoratori anche che hanno perso il loro lavoro e che, insomma, con alcune strade si è riusciti, questo l'amministrazione comunale ha fatto un buon lavoro, a ricollocarle seppure in maniera, come dire, provvisoria. Quindi per la nostra città, e qui giungo alla conclusione, il ponte è fondamentale, la ricostruzione di questo ponte, è fondamentale farlo nei tempi corretti, ma nei tempi che consentono anche il rispetto dell'ambiente, della salute e del rapporto dei cantieri stessi, e soprattutto la ricostruzione è fondamentale perché il porto di Genova aspetta anche una sua riattivazione dal punto di vista dei traffici portuali marittimi, e quell'asse strategico che è l'ex vecchio Ponte Morandi è un asse strategico importante da rimettere in piedi. Su tutto questo vi dico e chiudo che non bisogna dimenticarsi dei parenti delle 43 vittime che sono morte, hanno perso la vita con il crollo del Ponte Morandi, perché a loro ancora il percorso di risarcimento sarà un percorso più lungo, che seguirà quindi le vie della giustizia italiana, e a loro, insomma, a quelle famiglie che hanno perso la vita dei loro cari, ecco, bisogna garantire anche che il dibattito politico sia sempre un dibattito politico rispettoso soprattutto di coloro che su quel ponte ci hanno perso la loro vita, e credo che questo, insomma, la responsabilità della politica italiana sia quella di dimostrare veramente di portare a casa il risultato, di portarlo a casa il risultato per tutti noi, per Genova e per l'Italia, e anche con orgoglio di rimetterci in marcia. E poi dirò ancora una cosa per ringraziare. Allora, la ricostruzione du pont, bien sûr, è importante, ma il doit se passer dans le respect de l'environnement, de la santé des personnes, et aussi il doit pouvoir cohabiter avec les activités productives de la zone. Et il y a beaucoup d'activités productives, et là on vient vraiment au point d'aujourd'hui, qui ont été impactées. Il y a par exemple des entreprises qui avaient des marchés et qui ont perdu parce qu'ils ne sont plus capables de faire ce qu'il fallait faire. Donc, c'est aujourd'hui, globalement, on peut dire que la mairie elle a fait son travail, mais c'est sûr que c'est un enjeu important pour la politique, pour la fonction publique, être capable de reconstruire ces ponts avec, en respectant santé, environnement, activité productive, et aussi ne pas oublier les familles des victimes. Parce que les familles des victimes, et, en fait, elles sont rentrées un peu dans un labyrinthe des délais de la justice italienne. La justice française n'est pas très rapide, la justice italienne, je vous en parle pas. Donc il faut aussi que la politique soit capable de garder l'attention sur les personnes qui ont des impacts aussi forts. Mentre concludo per la giornata di oggi, ancora davvero un grazie a tutti voi, agli organizzatori, un ringraziamento ad ognuno di voi con cui oggi abbiamo scambiato queste ore di stare insieme, a chi ha portato le sue parole, le diverse storie, la musica, il canto, insomma, alla gara del pesto, quindi alle più le tradizioni genovesi e ligure del nostro territorio, quindi davvero grazie. Io e Martina siamo onorati di
essere qui oggi, di questo grande invito e quello che voi siete riusciti a mettere in campo, a mettere in piedi, è davvero un po' il filo che conduce e collega due cuori che io credo che qui a Parigi oggi l'avete dimostrato, che c'è un grande cuore, il cuore che voi oggi avete dimostrato insieme a noi. A Genova c'è un cuore grande, un cuore ferito, ma sono sicuro che se la comunità italiana insieme porta avanti questo sentimento, come dire, di unità, di collaborazione, di condivisione, di comunità anche all'interno proprio della città e del luogo in cui la comunità italiana all'estero vive, lavora, produce e porta anche, come dire, le sue tradizioni, il suo contributo alla cosiddetta comunità europea più ampia. Ecco, io credo che questo sia l'esempio più bello di un'Europa che mi auguro possa veramente continuare il suo cammino, la sua strada, con fiducia e orgoglio per il futuro delle nuove generazioni, per il futuro di tutti noi. E quindi davvero di cuore grazie per la giornata di oggi e grazie, grazie davvero, e vi aspettiamo a Genova, dove invece ovviamente organizzeremo un evento dove poi insomma lo struttureremo insieme, ma sarà un evento anche di ringraziamento proprio per questa giornata che a noi avete regalato e che la nostra comunità, la Valpolcevera, sa che oggi noi siamo qui e attende, come dire, con fiducia di ridare l'ospitalità che voi oggi ci avete dato qui. Quindi grazie davvero. Grazie. Merci à tout le monde pour cette journée de solidarité. Et vous savez, il y a beaucoup d'Italiens ici, ce sont des Italiens de Paris. Et on n'est pas des expatriés en fait. C'est chez nous Paris et c'est chez nous Italie aussi. Et ça, c'est l'Europe en fait, qui est quelque chose de beau qui est en train de se faire, parfois avec des difficultés. C'est un signe aussi de la solidarité, de la proximité et pas de la distance. Adesso parlo un attimo italiano, poi torno al francese. E grazie a tutti voi, e grazie per la vostra generosità. La campagna di raccolta fondi non finisce oggi, finirà il 31 maggio, quindi abbiamo un mese e mezzo di più, un mese e tre settimane. Da questo momento in poi la campagna si fa su internet. Tutti voi avete ricevuto un messaggio, un WhatsApp, un Facebook, queste cose qua, con un link su questa piattaforma di crowdfunding, che è molto chic come cosa, che permette di raccogliere fondi. Quindi mi raccomando, se potete anche passare la voce, dirlo ai vostri amici, alle vostre famiglie, abbiamo bisogno di poter aiutare queste persone. Donc je disais que merci à tout le monde pour votre geste de solidarité en venant ici. La campagne pour récolter les fonds ne se termine pas aujourd'hui, elle va continuer jusqu'à fin mai, donc il y a 7 semaines d'ici fin mai. Il y a beaucoup de ponts en France, c'est vrai, mais on est toujours à la campagne, à la mer, tout ce que vous voulez. Mais les 2-3 jours que vous êtes à Paris, vous pouvez, si vous travaillez 2-3 jours d'ici fin mai, c'est le moment pour utiliser les liens qu'on vous a envoyés. C'est une plateforme de crowdfunding qui permet à tout le monde, pas seulement à Paris, pas seulement en Italie, à tout le monde partout, d'aider, de contribuer. Donc je vous encourage fortement de faire ça, de demander à vos copains, à vos familles, s'ils ont envie, s'ils croient qu'ils peuvent le faire, de nous aider. Le 31 mai, on va terminer la récolte et après, on va rendre la visite à Martina et à Federico, on va les déranger chez eux et vous êtes tous invités, donc si bon, parce que même en juin il y a des ponts, donc et après ça, c'est les vacances qui commencent en juillet. Donc on s'est retrouvé à Gênes pour donner en fait à la communauté qui est représentée ici par Martina et Federico le résultat de cette action de solidarité. Et après Martine et Federico ont travaillé sur des projets concrets, spécifiques. On vous dira ce qu'on va faire de cet argent. C'est très important. La solidarité, c'est beau, mais après, on ne sait jamais ce qui se passe. Là, on va vous tenir au courant de ce qui se passe. Et donc, moi, je remercie beaucoup vous tous, Federico et Martina, pour avoir été ici. Merci beaucoup. Et...
e dire merci ancora a tutti voi, dire merci Natale, dire merci Barbara e Francesco, Gianni e Marielle. Moi, j'ai gâché la performance de Jeanne avec mon intervention à la fin, mais bon, c'est pas grave. Non, et j'ai remercié aussi Panizza, Roberto Panizza, qui était là pour le test. Grazie. On reste encore. Là, c'est l'heure de l'apéro. Donc, on va boire un prosecco ensemble.